Sœur Léa. Frère Benoît. Sœur Léa. Oh, comment allez-vous? Oh, très bien. Oui-tu. Oh, mes frères, ça fait bien de vous rencontrer. Oh, oui. Oh, notre vénéré Abraham, notre tout-puissant Abraham. Oh, qu'il est bon de connaître Abraham. Notre Dieu Abraham me charge de vous dire, oui, Abraham me charge de vous dire, à vous et à tous les autres fidèles, que la fin du monde tant attendue est pour bientôt. Oh, venez tous. Que c'est oui, merveilleux. Qu'il nous donne les conseils d'usage. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est beau. Que c'est beau. Très souvent, il parlait de cette fin du monde à ma femme Lydie. Il disait comme ça, vous êtes les élus de Dieu. Oh. Et quand ce sera la fin du monde, oui, vous serez séparés des méchants. Oh Seigneur, Abraham. Et que l'autre vie de l'autre côté sera belle, maclacale. Oh, écoutez, est-ce que vous allez vous taire? Oh. Abraham est en train de vous leurrer et vous croyez en lui. Oh, non, les frères, sur quoi se base-t-il pour dire qu'il aura la fin du monde? Oh, Maclacan. Maclacan. Ouchou. Vrai, la casse. Il est encore temps pour toi. Oui, ressaisis-toi. Oh, viens, Abraham. Tu as encore le temps. En pareille circonstance, on n'a pas besoin de preuves. D'ailleurs, je suis une preuve. Ah, preuve, quelle est? Quand le tout-puissant Abraham m'a posé sa puissante main sur ma tête, oh, qu'ai-je vu? Les frères, l'au-delà. Oh, le paradis dont nous parle Abraham. Oh, je l'ai vu de mes propres yeux, Maclaka. Ouchou, Maclaka. Je ne sais pas ce que tu voulais nous faire croire. Oh, tu as vu maintenant qui est l'esprit d'Abraham et que l'esprit d'Abraham existe. Oh, Maclaka. Ouchou. Laisse-nous avec notre foi. Laisse-nous vivre notre foi. Kakabe. Je te pose une question. Ta femme le dit. Où est-elle? Je te l'ai toujours dit, la casse. Elle est en train d'intercéder avec le vénéré Abraham. Naturellement. Je l'ai vu de mes propres yeux. La preuve. Calme. Bien, tu vas m'excuser, mais j'ai oublié de te dire la vérité. Abraham couche avec ta femme Lydie. Oh, blasphème! Blasphème! Est-ce vrai ce que j'ai entendu? Descends. Depuis qu'Abraham est rentré dans cette cité-là, tous les jours que Dieu fait quelque chose de nouveau. Et puis si c'est cette histoire de la femme de Tafabi, tout le monde le sait. Quoi? Abraham et Lydie. Ah. Dieu. Mais c'est pas possible. Attends, pourtant il nous a dit ici qu'il ne va plus toucher de femme. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ce que moi j'ai entendu, c'est autre chose. Mais toujours concernant ce même Abraham. Hé, hey, Abraham. Il dit la fin du monde, c'est dans 2 jours. Tu dis quoi? Oui. Gakas, qu'est-ce qu'il y a? Exactement ce que Blackson vient de te dire. La casse. Il faut faire quelque chose. Sinon, ça va mal se passer pour nos parents et amis. Mais oui. Moi qui pensais que la religion remplissait d'intelligence et de sagesse celui ou celle qu'elle adopte. Hélas. Enfin, moi j'ai fait ce que je pouvais faire pour ouvrir les yeux de ce cacabé. En tout cas, je laisse tomber. Ah non, non, non. Non, je laisse tomber. Non, écoute. On va aller parler à Abraham. Mais écoute, suis-moi, on va aller parler à Abraham. Blackson, je suis désolé. Je ne bouge pas. Oh Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir illuminé sur cette transe de Léa. Sinon, comment j'allais faire?
Comment j'allais faire pour m'en sortir avec cette grossesse de Lydie? Moi qui ai décidé de vivre un célibat. Crédules qu'ils sont, je vais leur proposer un suicide collectif. Ma claca. Ma claca. Ouchou. Ouchou. Il n'y a que toi seul pour dire la vérité à Abraham. Tiens, s'il te plaît, il faut que tu écoutes Blackson. Allez, dis la vérité à Abraham. Non! Avec tout ce que je viens de vivre, je dis non. Non et non. Là, moi, je ne te reconnais plus. Pourtant, tu es le seul à pouvoir dire la vérité. Allons-y. Toi ici? Je ne suis pas venu pour m'amuser. La casse, s'il te plaît, je suis venu te demander de me suivre et n'hésite pas. Moi, allô? Je dis que je ne suis pas venu pour m'amuser. La casse et non quelqu'un d'autre. Mes chers enfants, Dieu est puissant. Il est passé par Léa pour nous annoncer la fin du monde tant attendu. La fin du monde dont je vous parlais chaque jour. Maklakama. Outou. Maklakama. Outou. Et vous savez très bien que pour nous saints, ce monde ne nous appartient pas. Vous allez enfin être heureux. Outou. Maklakama. Outou. Maklakama. Outou. Dès demain, apportez tous vos biens ici. Outou. Car c'est ici que nous allons tous mourir. Mes chers enfants, c'est ce qui a été décidé par Dieu. Maklakama. Outou. Maklakama. Maklakama. Tant d'ignorants, il n'y aura jamais de fin du monde. Vous les savez, c'est toi qui es vaincu. Tu es vaincu. Je te tape. Couillon, il n'y aura jamais de fin du monde. Lily, dis-nous la vérité. Que le vrai Dieu me pardonne. Abraham nous a tous bernés en se prenant pour Dieu. Lily, oui, tu ne plaises pas. Oh, ma claquante, ma Lily. Cette grosse est de Abraham. Maklakam. Maklakam. Baïga, tout le monde, il y a un autre. Je vais faire.